fait que musique est un apôtre. Fali. Qui de cette génération a fait pour la première fois Accor Arena? Fali. Qui de cette génération a eu un trois disques d'or successifs? Fali Gaga. Qui de cette génération fait des concerts dans des stades, dans des pays, dans des différents pays d'Afrique? Fali Peka Raïsoussou. Qui de ces pays? Qui de ces artistes? Vous comprenez? Donc, il n'y a pas de musique. Non, non, je vais dire ça. Il n'y a pas de musique sans Fali. Sans Fali. Ok. Vous comprenez? Alors, il fallait être riche en mélodie. Riche, alors riche. Je vais vous dire, je vais vous dire, garde du cœur. Je vais vous dire, comment on appelle ça? C'est-à-dire, il y a quand même mélodie, il fallait comprendre que nous avons un diable à nous. Formule 7 est le meilleur album rumba de toutes les générations, de tous les albums rumba que nous avions connus dans notre pays. Le meilleur s'appelle Formule 7 de Fali Ipupa. Avant toute chose, Toyokana nous discours Yandeko Manix. Makambo Oyalobi en ce qui concerne certification ya Formule 7, le serpent de Moïse, ya Fali Ipupa, l'aigle. Ndeko Manix alobi nini. Nayebi ke discours ya Betiwana ekope sa passi. Na garçon ou babengi Gauthier Sey. Gauthier Sey a commis le belake, en tout cas, Mouteo Manix a yiko tikana yiki nyate. Mais attaqué était à l'obelinde Formule 7. Un bon discours. Toland. Clairement, l'album Formule 7 est le meilleur album rumba de toutes les générations. De tous les albums rumba que nous avions connus dans notre pays. Le meilleur s'appelle Formule 7 de Fali Ipupa. C'est le seul album qui est consommé au niveau de la communauté, au niveau de la diaspora congolaise et dans les restes du monde. C'est le seul album qui a navigué tout le continent du monde et c'est le seul album qui a été chanté même par deux peuples qui n'ont rien à voir avec la nationalité congolaise. Formule 7, en temps normal, il fallait tomber un gros arsenal de belles mélodies. Parce que dans cet album, il y a des chansons extraordinaires. Et en temps normal, Formule 7 n'est pas qu'un album. Formule 7 est un musée national. Dans lequel on trouve une diversité des richesses musicales. La guitare congolaise, la mélodie, la mélancolie, le texte, la poésie, les figures de style, la métaphore, les paroles d'amour, les nuances, le timbre. Non mais c'est extraordinaire. Il y a une très grande diversité des richesses musicales dans
cet album Formule 7 que nous appelons désormais le Musée National. Salutez Bandeko. Bonjour, bonsoir à tous les mélomanes de la bonne musique. Salutations à tous les warriors du monde entier et big up à toi Aigle Fally Ipupa. Dieu a semé charge à musique congolaise. Félicitations à tous les abonnés de Free TV Caprice. Continuez toujours à suivre votre chaîne préférée. Et à ceux qui ne se sont pas encore abonnés, c'est ma chaîne. Vous avez suffisamment de temps pour vous abonner. C'est gratuit. Rodrigue de Zurich. Toujours sapé comme jamais. Julia Georges, la grande dame de Colmar. Fifi la douceur Bundesliga. Lengos à la Warrior. Bisoka Kaba disque d'or. A disque Mathieu Zongi, mais Mathieu qui n'a pas single d'or, n'a pas disque d'or deux fois. Christian Vimba, les garçons propres et complets. JP Makoma de Vintertour. Oh frérot, mes condoléances. Je suis de cœur avec toi. Bisongoula, il y a pas single d'or. Il y a vrai sold out. Ce qui va bien à LD. LC Arena Isilite, donc Tokolobela sold out. Donc ce que Sili, donc Sili pour de vrai, voilà Tokolobela sold out. Na PC Bongombote, na Didier Didero ya Joël, Zulu Mogrosso, Femme Forte, Adibio Adiyando, Amida Sumaruga, Alice de Colmar, Yamangala, Grand Prêtre Mère, Noëlla Margela, Big Up, Ibongo Salon Floride de Zurich, coiffure homme, passage obligé. Ouais. Ata ou yina na yombo loko. Kasi ndi matamba mwana yete. Ni matamba mwana yi. Bango ba yembi makasi. Mebiso to seki makasi. Balali me bozo japongite. O tu nina pour que bozo japongite. Te fais semblant ou quoi? Artiste oyo kansaki azay lo kote. Oyo kansaki oliki. Ayeli yo 3 certifications en un seul coup. Est-ce que ou djwa pongi? Ou sa kana kana pongi, hein? Pongi zay lo mo mystique. To bo sa narate. Pongi zay lo mo mystique. Pe sa respect na pongi. Pongi yaka kaka soki vie zo kende bien. Pongi eyaka ceux qui osa bien à l'aise sans problème. Pongi eyaka ceux qui osa dominer ba adversaire na ba soi-disant adversaire. Ou ban rola la bien, ban rola la ki toko. Ta la petite kabaji. Kalamingi te awa Fally Ipupa ayeli biso système ya trilogie. Je vous explique. Avant la sortie de l'album Formule 7, Fally Ipupa nous a laissé déguster 3 morceaux intitulés CEO, Garde du cœur, Science-fiction. C'était donc le début de la trilogie. Et sans pour autant parler des 3 concerts qu'il a livrés dans 2 pays africains, et il attaque You Arena par la défense. Ovo Wembley Arena na Londres. Et Aiko Souka na ING Arena na Bruxelles. C'était donc la troisième trilogie. Donc 3 concerts dans 3 pays différents. Et voici donc la quatrième trilogie. 3 certifications d'un seul coup depuis que le monde est monde. Depuis que le SNEP existe, 3 certifications en un coup pour un seul artiste et musicien, Ezalate. Ce qui boye dit alors, Botali Sangai na zongi samaloba. Na seki maka se pose ba devoir. Boko tika musique. Si vous voulez toujours, si vous voulez à tout prix faire comme Fally Ipupa, boko tika musique. Bokeba. Mais je vous pose la question de savoir, tout ce que vous faites, c'est pour quelle finalité?
musique au bozo beta. C'est pour quelle finalité? Boye la biso ba disque d'or. Ce qui est zate, alors taisez-vous. Alors, pour votre information, nous avons informé bien que ba tike ya LDLC Arena na Lyon. Ils ont se comporté très bien. Ba tike zote kama ki toko. Donc, inquiétude des athées. Bah, Warrior, bah, on continue toujours à démontrer force na bango. Donc, bah, Bossani Pété, Arkea Arena, na Bordeaux. Bah, Tikezo qui est très bien. Donc, bah, Kalate, donc, bête à ma solo, y a sold out. Wana, vous te ressemblez à parce que, donc, avec Fali, donc, nous avons confiance. Donc, promis à te. Donc, voilà. Alors, Wana, informé, bien, mais là, c'est bien le Susuke. Ce qui ont dit que c'est la même chose. C'est bêta et vrai kaki paka. Mais il y a des animes. Bolingi falite. Votre ennemi géré si fali ipoupa, aigle. Et chose étonnante, boye baka air fali à la moukaka. Mais bolingi eti. Kaka bino boyina fali bolingi eti ennemi na bino. Mais boye baka. Elle a côté la baignoire. Boye baga elle a matar na table. Boye baga elle a côté la toilette. Boye baga elle a sur la Macron. Boye baga même elle a bête à la Macron. Elle a fou comme ça va combattre. Boye baga. Elle a pèse à la combattre ou tout passe. Boye baga. Elle a d'où trophée. N'a pas disque d'or, bouye bak. Mais, bowling a falité. Voilà pourquoi nous disons, tout le monde est warrior. Il n'y a que les warriors et les warriors révoltés. Vrai ou faux? Fali, il poupa le miroir de la RDC. La vraie star de la RDC. Avec plusieurs certifications. Fali nourrit les Congolais. Tellement que Misala est comment passe dans le Congo. Fais-toi influenceur, chroniqueur musical, même chroniqueur politique. Yaka Kolobela Fali, en bien ou en mal. Pour ne pas mourir de faim. Comprendre? Donc, Kobu Kanati. Misala na RDC comment passe. Fais-toi chroniqueur musical, ou chroniqueur politique, mais bonwana comment sous chroniqueur musical. Putain, comment chroniqueur musical? Banda ko finga fali. Donc, ça la choix. Ou, au bani ko finga fali, ou au bani ko lobe la fali en bien. De là, tu ne mourras jamais de faim. Donc, viens à eux, au temple qui toque. Tout le monde est chroniqueur politique converti en chroniqueur musical. Kaka pour parler de fali, pour pas en mal. Et ben, même, ben, on peut n'importe. Alors, nous avons informé bien que les trois certifications, il a fallu et comme ici, bah ma banque encore plus cher. Tableau de banque est commis au-delà de 120 000 euros et pourtant il fallait le bac qui est 120. Mais le coup là, du sur le disque d'or, donc Valère Pé et Mati. Ah oui. Alors. Bossa le soube missionnette, fallait que vous changez été, azo continue toujours à percer. Na leki na histoire, yandeko Charlie Prince, l'homme du moment, azo le laye très fort, Charlie Prince, un bon journaliste, Oyo Jet Set a étouffé des années et des années. Je l'ai toujours dit, et je le dirai toujours, autour de Chétan Ferrego, là, ils en ont un journaliste, Pep battu à Mayele, malheureusement, Mayele na bango, ils a étouffé. Mais dès que la personne quitte Ferrego, là, au moins, intelligence, na Mayele, ya moutu, penza, donc, et mon ami. Bande, quoi, la rani. Charlie Prince d'hier et Charlie Prince d'aujourd'hui, c'est deux personnes différentes. Bande, quoi. Bon, là, dans l'investigation, y'a Charlie. Que de preuves et de vérités. Bon, na okota mingi na muzindote. Mais, a komisi tonto promo ki zengi.
pour la histoire y a Nana Ketchup comme quoi figurant dans clip y a Weira. Tonton Promo recadré par Charlie Prince avec des preuves sur cette affaire. Et voilà Prono qui nous dit que Azana est journaliste était yé makamba journalisme ayé bina yango te. Mais okene ko sayi na makambo wana soko yé bien te. Tais-toi. OK, bref, naza kunati. Ce qui m'intéresse, c'est la rationalité de Charlie Prince quand il dit et affirme des choses qu'il essayait d'étouffer pendant qu'il était encore auprès de Chétan Ferry. Écoutons ce qu'il dit. C'est très intéressant. La musique a fallu. On sait plus la gagner. Déjà qu'il y a un avantage à fallu, puisqu'on parle de la musique. Penses-tu qu'aujourd'hui on peut parler de la musique congolaise sans citer le nom de Fally? C'est la seule question. Répondez-moi en commentaire. Est-ce qu'on peut parler de la musique aujourd'hui sans citer le nom de Fally? Bon, Naolo Bela Falité. Naolo proposé au gars à trois questions ou quoi. On peut s'en avoir réponse. Qui a fait que la musique est dans la poutre? Fally. Qui de cette génération a fait pour la première fois Accor Arena? Fally. Qui de cette génération a eu trois disques d'or successifs? Fally Gaga. Qui de cette génération fait des concerts dans des stades, dans des pays, dans les différents pays d'Afrique? Fally Pekara Issoussou. Qui de ces pays? Qui de ces artistes? Donc il n'y a pas de musique. Non, mais je vais vous dire, il n'y a pas de musique sans Fally. Comme par contre, il y a de musique sans d'autres artistes. Ok. Tu retournes à toi un verset si cool. Qui n'a pas un disque d'or? Mazé Bélé. Moi qui ai fallu à ça. Qui n'a pas encore fait le stade au Cameroun? Mazé Bélé. Qui n'a pas encore fait U Arena? Mazé Bélé. Qui de nos artistes n'a pas encore été nominé au Grammy Award? Mazé Premier Bélé. Bélé Bélé. Tu vois, ils ont raté. Ce n'est pas qu'on fait exprès. Ça veut dire que on ne parlera pas de la musique congolaise sans Fally aujourd'hui. Hier, il n'était pas. Mais pendant qu'il est rentré dans le game, à Bimaraté, et puis c'est lui le top. Et ça, il est toujours forcé, c'est comme ça. Voilà. Faut tout le monde. Il y a toujours un peu de musique à Fally. Il y a toujours un peu de réponse. Si vous avez des questions, on attend de répondre comme il y a un alors ça a un avantage à Fally. C'est une question. Il y a toujours la première des choses que j'aime la musique à Fally, ce sont ses mélodies. Fally, c'est un mélodiste. Après, la voix, oui, la voix, elle est indispensable. Mais, importance, il y a mélodie, et ça, remarquable, la musique Nabisso. Sinon, on va avoir capé là. Tu sais, à l'époque, lorsqu'on faisait des chansons dans la cassette, album, il y a 11 titres. Mais on a 12 titres. Les derniers, il y a 11 années. Instrumental. Bon, ben, t'as dit, mon mot, sans malheureux, c'est instrumental. Vas-y, un instrumental. T'as dit, mon mot, arrête. C'est la mélodie qui transmet l'émotion. Voilà, ouais. C'est comme ça que j'allais dire. Parce que Nzembo Yamawa, ils ont à travers sa mélodie. Pour que Sengo Yamawa, ils ont mélodie. Nzembo Matanga, Nzembo Yamawa, ça se différencie à partir de la mélodie. Ouais. Mais la voix ne changera pas. Frère Mete, frère Patrice. Naneni, Yokanga, Nzembo Tata. Nzembo Tata, Nzembo Tata, Nzembo Tata, Nzembo Tata, Matou Samuel. Voilà, c'est la mélodie qui définit l'état où nous sommes dans la moto, c'est le style où nous sommes dans la moto.
Ok. Vous comprenez. Alors, si vous fallait être riche en mélodie, riche, alors riche. Je vais vous aider. Je vais vous aider. Je vais vous garde du cœur. Comment on appelle ça? C'est-à-dire, il y a quand même fallu comprendre que nous avons un diable à nous. Si vous avez un instrument, vous avez une mélodie, vous avez une langue, un repas déjà bien préparé là, tout ça. Donc, Fali Aza, Noki, la mélodie. Yoka, la mélodie, la mélodie. Vous avez une formule 7, Yoka, la mélodie. Donc, Fali Aza, Noki, la mélodie. Yoka, la mélodie, la mélodie. Vous avez une formule 7, Yoka, la mélodie. Donc, Fali Aza, Noki, la mélodie. Yoka ba mélodie na ye, banze mouneti formule 7, yoka ba mélodie. Yoka ba mélodie, ou vanda tu opé sa ma raison. Non, tu as peut-être kate, vanda pendant album on a kata ka, mata ba glace, tiens ma lili. Kene pe distance à moulaye. Papa kouta te a moukousse. Mata ba glace, tiens ma lili. Zarape na mouye l'or la poche. Yoka sou ba mélodie wana. Ou vanda tu obi a Joe, ou vas sou zesti maraye pamba. La voix, elle est là pour faire. Faire bravo pour ta voix. Grand chanteur Yanyama. Grand chanteur. Pour ceux qui disent que peut-être faire avec qui il fallait n'aboyemba. Na tout débat, na te pour n'aboyemba, na n'aboyemba, na n'aboyemba, na n'aboyemba, na n'aboyemba. Mais si quoi, il n'y a pas que la voix. Il n'y a pas que la voix. La mélodie. Si vous vendez le mélodie qui tombe. La mélodie peut séduire. La mélodie peut séduire au moto. Et qu'on change de à vie. Et qu'on dit, mais c'est un peu boyaki. Et qu'on dit, c'est un peu de maki. Mélodie. Alors, il fallait que la mélodie. Souka. Dans le monde entier, dans la Kinshasa, il y a une polémique. Alors, les warriors, tout ça tardé, tu as battu au bas au finger avec le matin, midi, soir. Ils ont ma pamboli. Ils ont ma pamboli, bas au la aigle. Élévation et yaka kaka na ba combat. Les preuves sont là. Na route ko bango derrière l'émission na ngai. Donc il y a pas d'élévation sans combat. Donc ils ala kaka. Donc wana eza biloka miki. Il fallait aza mutu mokaza na mental d'acier donc aibe ko neutraliser ngo. Voilà pourquoi les gars aza ko continuer toujours ko évoluer. Donc c'est ça. Alors ce qui total ko ta barre na to yebi ke donc toujours qu'il est bien. Toi na bonne voix. On va calater pour chanter. Donc, ton cause. Clairement, l'album Formule 7 est le meilleur album rumba de toutes les générations. De tous les albums rumba que nous avions connus dans notre pays, le meilleur s'appelle Formule 7 de Fali Ipupa. C'est le seul album qui est consommé au niveau de la communauté, au niveau de la diaspora congolaise. Et dans les restes de monde. C'est le seul album qui a navigué tout le continent du monde. Et c'est le seul album qui a été chanté même par deux peuples qui n'ont rien à voir avec la nationalité congolaise. Formule 7, en temps normal, il fallait tomber un gros arsenal de belles mélodies. Parce que dans cet album, il y a de chansons extraordinaires. Et en temps normal, Formule 7 n'est pas qu'un album. Formule 7 est un musée national dans lequel on trouve une diversité des richesses musicales. La guitare congolaise, la mélodie, la mélancolie, le texte, la poésie, les figures de style, la métaphore, les paroles d'amour, les nuances, le timbre. Non mais c'est extraordinaire. Il y a une très grande diversité des richesses musicales dans cet album Formule 7 que nous appelons désormais le Musée National.